Bonjour. Merci beaucoup d'être venu si tard, dans des conditions météorologiques absolument catastrophiques. C'était bien, Dominica, Catherine? Super. C'était bien. Non, parce que des fois je m'inquiète quand même. Vous savez ce qu'on dit sur la vieillesse, tout ça, qu'il y a un naufrage, tout ça. Je m'inquiétais un peu pour des amis, après tout, hein, quand même, hein, des collègues. Des gens que je connais, quoi. Mais non, c'était bien, donc. Bon, on va essayer de continuer dans cette espèce de bien. Je ne sais pas si vous avez déjà été au cirque, mais au cirque, par exemple, quand il y a quelqu'un qui fait un numéro qui est très très difficile et qui a l'air facile, il fait exprès de rater. Vous avez déjà vu ça? Il fait exprès de rater, les gens l'encouragent, l'applaudissent, il a vraiment l'air dépité, puis il refait le numéro, et là il réussit, et c'est vraiment magnifique, quoi. Justement. Donc, comme ce qu'on va faire là, c'est très difficile, parce qu'on va jouer beaucoup de nouveaux morceaux, dans une nouvelle formation. C'est très difficile, hein. Je peux faire une citation, si vous voulez. Je peux citer Suprême NTM, par exemple. Ils disent « Tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil. Hein » Donc, je vous laisse méditer ça pendant au moins les 50 premières secondes du spectacle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on avait raté tout le concert, hein, et là, on est vraiment dépité. Et là, à ce moment-là, donc, vraiment, on se dit, on va arrêter le métier, vraiment, c'était catastrophique, on a tout raté. Et là, vous nous encouragez, vous applaudissez, et on recommence tout le concert du début. Et là, on réussit. Mais il faut le faire, parce que sinon, ça veut dire qu'on va rater, quoi. Ah, voilà. Merci beaucoup, donc on va refaire le concert, hein, du début. Celui-là, on va le réussir, là, c'est bon, là. C'est une chanson qui s'appelle « J'aime pas les gens » et qui vous est donc dédiée, hein. Et on va la commencer tout de suite. J'aime pas ce que ça sous-entend. Je plains pas Jospin, je plains pas Juppé. J'aime pas qu'on dise Coluche me ment. J'aime pas les emplois et j'aime pas les gens. Les gens c'est les pires. J'aime pas les gens, les gens.
ça nage et pas les potines. J'aime pas le folklore, la Provence, le patois, les accents. J'aime pas que je vive en France, j'aime pas ce pays, j'aime pas ces gens, j'aime pas sa musique, j'aime pas ces petits films. J'aime pas les chanteurs, c'est les pires. J'aime pas les chanteurs, c'est les pires. J'aime pas les chanteurs, c'est les pires. J'aime pas Paris, la mode, j'aime pas les défilés. J'aime pas Tortillo, j'aime pas les tortillis. J'aime pas les talages, je déteste ouvert en PM. Mais j'aime pas la chair au cœur, j'aime pas la physique. J'aime pas qu'on me vende, qu'il ne fait pas d'envie. J'aime pas les malades, j'aime pas les photographes, j'aime pas les artistes. J'aime pas les gens du spectacle, j'aime pas les styles de la paix, j'aime pas les chercheurs plasticiens, j'aime pas les coups de la tête, j'aime pas l'art contemporain, j'aime pas chaque langue, la culture qui décide de vivant, c'est bien entendu des petits appartements, j'aime pas pour vous la vie, j'aime pas les années 80, j'aime pas la nostalgie, j'aime pas mon monde de force, c'était bien, j'aime pas les rastas blancs, j'aime pas les jumping, j'aime pas la musique. J'aime pas l'écrit français, j'aime pas la nouvelle chanson française, j'aime pas la nouveauté, j'aime pas. J'aime pas les gens, c'est les filles. J'aime pas les gens, c'est les filles. J'aime pas les gens. Yeah.
chanson qu'on appellera la deuxième chanson, qui s'appelle Dans sa tête et qui raconte des histoires à un moment, vous allez voir, vous allez reconnaître le moment où ça raconte quelque chose. Thank you.
sert à rien, qu'on n'a pas écrit spécialement pour un festival contestataire, vous en doutez bien, puisque ça veut dire donc l'inverse, hein, de... Mais on la joue quand même, parce que, comme ça veut dire l'inverse, on s'est dit que ça rentrait quand même dans le cadre à l'inverse du festival. Donc, rien sert à rien, t'es une bien belle chanson, et c'est l'inverse. Complètement bouffé, la gueule au pété, la gueule au temps,
sert à rien de lutter. Rien sert à rien. Rien sert à rien. Saxophoniste, un ami, un être humain supérieur, un contestataire aussi, hein, et des fois même, j'étais tout seul chez lui, la nuit, tu contestes, hein. Tu manifestes et tout ça, quoi. Il ne leur envoie pas dire, hein, aux gens. Méfiez-vous. Donc c'est une chanson qui s'appelle « Monsieur », hein, et tout le monde est prêt, je pense, et on va commencer donc par ces notes de batterie absolument magnifiques. Attends, peut-être Pierre-Yves, besoin d'un instant.
là c'est la porte où t'es parti. Tu n'iras pas beaucoup plus loin, l'histoire commence et est finie. C'est dit que ça ne sert à rien, qu'il n'y en a qu'on pas grand chose à vivre. C'est plus trop la peine non plus si c'est à ça qu'on arrive. On aura fait ce qu'on aura vu, ce qu'on aura pu leur y suffire. Au bureau l'univers salut, mais toi tu t'enfermes aux toilettes. Quand le chef a une ensemble de fumes, monsieur, c'est là que tu vas disparaître. Maintenant tu es devant lui qui te regarde bien en face et tu t'énerves de ce qu'il te dit. Il penserait pas être à ta place, que c'est quand même un peu ta faute quand on y pense. Tout est là, ne se permettrait pas avec un autre ce qu'il se permet avec toi. Seulement il n'avait plus, monsieur. Monsieur n'a rien répondu. Seulement il n'avait plus, monsieur. Monsieur n'a rien répondu. Quand il parle de vacances et monsieur s'habille dans la photo, comme la fiche une paire de fesses géantes, une femme qui passe une chose dans son dos. Monsieur la regarde en temps partir, les fesses de la fiche se collent sur les siennes, alors monsieur ne porte à rien, peut-être qu'aucun n'aura jamais les mêmes. Après il est entré froid et qu'il fuit, il finit déjà. Et il rentre, il essaye de la trouver jolie, juste un peu plus intelligente. Elle aussi a peur, finir toute seule dans son deux pièces, lui sa demain. Vient enfoncer dans son fauteuil en attendant de sortir le chien. Elle dit mais lui, qu'est-ce qu'il aime dans la vie, qu'est-ce qu'il aime vraiment. Mais qu'il l'emmerde, qu'il l'emmerde et qu'il descend les yeux fermés, qu'il le sent bien, monsieur vrai, qu'on le laisse tranquille. Monsieur voudrait partir très loin, que personne ne puisse le suivre. Monsieur prend le même couloir, monsieur prend la même sortie. On monte la même rue tous les soirs, on peut chez lui. Là c'est la table de la cuisine, là c'est la chambre avec le lit. Il y a une lettre sur ta table de lit qui dit qu'il n'aurait qu'à venir. Vous seriez bien là-bas tous les deux, là-bas la vie est assise. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est lui. Il appelle la radio, on lui désole. Faut au monde, tu es un homme, tu n'as rien d'autre. Tu es au monde, tu es une autre. Mais à quoi ça te sert si je suis au monde, si je suis pas bien. Il la voix dit, à quoi ça sert. Et la voix dit, mais le monde ne sert à rien. Elle est encore un peu cette nuit, monsieur ne te laisse pas aller. La télé, si tu veux l'allumer, tu sais chercher un truc pour dans le lit. La solitude avec des années, mais ça finit juste par ne plus rien dire. C'est comme le vide, pouvoir comparer. Je suis pas sûr, de rien. Assez de souvenirs. Monsieur, 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 monsieur.
7 h tous les matins, tous les jours et toute la semaine. C'est vraiment chaud, vraiment bien. Tu payes ton loyer les 3/4 de ton salaire. L'arrivée, le peu qui reste, c'est pas un sens, un découvert. Ce qu'elle prend pour ses petites affaires. Je ne veux même pas savoir ce que c'est. Première fois que je l'ai vue devant son immeuble, je pouvais pas croire qu'elle était vraie. Maintenant, quand elle me parle des fois, elle sait. Je préférais plutôt me taper moi-même sur la gueule. Je trouvais la place ici il y a 2 ans. J'étais derrière le service militaire. Je l'ai rencontré, j'ai mangé avec sa mère. On a pris le crédit 2 semaines après. Quand j'arrive à 8 h avec les collègues, Monsieur Pinto, Monsieur Cebolo, on se change dans les vestiaires, puis on va pointer au bureau. Monsieur Cebolo, il a fait 8 ans en Angola. Ça a laissé comme un trou dans son cerveau. Et quand il est revenu après ça, on ne pouvait plus supporter d'entendre quoi que ce soit. Monsieur Pinto, lui, ça fait 30 ans qu'il est là. Et sa famille était propriétaire. Lui et son frère, ils s'entendaient pas. Alors la nuit où son père est mort à la ferme, sa mère lui a dit de partir. Elle a fait un paquet de ses affaires. Elle est venue dans sa chambre. Elle lui a donné la moitié de son porte-monnaie. Monsieur Pinto, quand j'imagine à 20 ans, il a toujours sa tête de maintenant. Sa femme est morte l'année dernière. Ça faisait 3 ans seulement qu'ils se connaissaient. Ils disent, quand on a fait l'école comme moi, on devrait pouvoir faire autre chose. On devrait faire autre chose que ça.
chanson qui s'appelle « La vie est pleine de surprises ». Qui commence avec Charlie qui joue l'orgue avec nous magnifiquement. Je crois qu'on peut l'applaudir, il y a vraiment le meilleur. Je crois que c'est le meilleur. Je ne sais pas encore si quelqu'un d'autre a une idée, peut-être, mais jusqu'à présent, c'est le meilleur. Ça se trouve même
Assez peu en fait. Alors j'en ai trouvé une. Ouais, c'est parce que c'était lié dans ma tête. Hein. Je prépare un peu les spectacles. Ça a l'air de rien comme ça. Hein. Si, ça a l'air de. Ok. Alors voilà. C'est, il y en a qui protestent, qui revendiquent. Et qui conteste. Moi, je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste. Voilà. Merci. C'était la reprise hein, du spectacle. Donc, on va passer à d'autres chansons. Je vais demander un peu.
Mon père m'a dit qu'il était vraiment désolé.
sa mère le reprend. Il dit qu'il n'a plus faim. Je prends une bière. Elle fume. Il essaye de sourire à sa maman. Quitte plus la table. Il n'ose rien. On reste là, lui. Ce silence absolument délicieux, on va enchaîner tout de suite par une chanson qui s'appelle « Je me réveille » qui a été un des grands tubes de Mendelssohn. C'était avant notre retraite, quand on est parti là, mais on est revenu maintenant. Bravo. Merci. Donc, par exemple, c'est Pierre-Yves Louis qui joue de la basse, de la guitare, hein, qui chante et qui est, bon, peut-être en lui-même. Alors là-bas, tout au bout, là, on a le transfuge, hein, le petit nouveau, le réfugié même, hein, qui joue avec les plus grands groupes de pop française. Pop française un peu aventureuse. Il est dans le journal assez régulièrement, vous l'avez reconnu, Jean-Michel Pires, qui est magnifique. Et donc derrière moi, il y a bien sûr Sylvain Joassant, qui joue avec Daran et les chaises. Mais qui a d'autres talents,
et notamment celui de jouer avec nous. Et puis bien sûr Charlie, que j'ai déjà présenté. Et puis Quentin. Et donc on va faire une chanson qui s'appelle Je me réveille. Je lui parle en même temps qu'à vous, c'est plus convivial. Je vais essayer de faire quelque chose. Tu peux peut-être éventuellement m'accompagner. C'est une chanson qui s'appelle « Ma môme », qui est écrite par Jean Ferrat. Et dans un lieu de culture, je me suis dit que ça ferait bien, un petit peu, de belles chansons françaises. À l'ancienne, bien écrite, bien propre. Hein? Vous n'êtes pas habitué. C'est normal. Donc, je vais essayer de faire ça. Vous vous souvenez, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil.
peux me permettre encore un petit peu. Bien sûr, chanson française, bien sûr. Si c'est raté, on pourra toujours penser que c'était concept. Hein? Quand même, Cité de la musique, c'est quand même un lieu de grande culture. Et le concept n'est pas interdit. Bravo. Merci. On peut baisser un peu les lumières, s'il vous plaît. Je ne vois pas notre public. Chanson française, merci. Ami, donnez-moi un là. Charlie a longtemps travaillé avec Yves Montand. Enfin, presque avec Yves Montand, quoi. Hein? Avec quelqu'un qui faisait des reprises d'Yves Montand. Mais qui était belge. Et c'était vachement enrichissant. D'ailleurs, il a eu une enfant, mais ça, je crois, je sais pas si on peut le dire, hein, trop, ton ami. Il a eu une fille un peu cachée. Le belge. Hein. Ok. On peut baisser encore les lumières, hein, c'est infernal. Hein. Ah oui. C'est beaucoup mieux. Donc je vais mettre la main sur le piano, qui se trouve être un orgue. Concept. Alors mon ami, s'il vous plaît. Merci. Là. Maman, c'est pas une starlette, elle porte pas des lunettes de soleil. Elle travaille, elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine à Créteil. Dans une banlieue surpeuplée, on habite un meublé, elle et moi. La fenêtre n'a qu'un carreau qui donne sur l'entrepôt et les toits. On va pas à Saint-Paul-de-Vence, on passe toutes nos vacances à Saint-Ouen. Comme famille, on n'a qu'une marraine, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Mais maman, elle a 25 berges, et je crois bien que la Sainte Vierge des églises n'a pas plus d'amour dans les yeux, ni ne sourit pas mieux, quoi qu'on dise. L'été, quand la ville s'en sommeille, chez nous y a du soleil qui s'attarde. Je pose ma tête contre ses reins, je prends doucement sa main et je la garde. Maman, c'est pas une starlette, elle porte pas des lunettes de soleil. Elle pose pas pour les magazines, elle travaille en usine, à Créteil. C'est la fin. Ouais. Merci beaucoup. Merci. C'était notre chanson contestataire pour ce soir. Et nous allons enchaîner immédiatement avec une autre chanson qui s'appelle Perdu et que personnellement j'aime beaucoup. Voilà. Un mauvais goût affreux dans la bouche.
n'y a quand même pas de prendre le métro. T'as ta racine, de t'arroser la bite au champagne. Prends ton soir dedans, tu te seras mis autrement plus minable. T'as décidément, tu ne feras plus jamais rien. Personne ne voudra encore de toi. Se souviendra de ton téléphone. Alors tu feras le tour de tous tes anciens amis et tout ce qu'ils n'ont jamais pu te dire. D'un coup je suis sûr, ça va leur revenir. Tu feras le tour de toutes tes anciennes petites maîtresses et tout ce qu'ils n'ont jamais pu te dire. D'un coup je suis sûr que ça va leur revenir. On n'a pas encore tout à fait. Tu iras parler aux gens dans la rue. Tu iras, c'est quand même pas possible. Mais ça va vite. Ça va vite. Tu t'as plus d'appart. T'as ta valise avec tes affaires dans la chambre, à l'hôtel. Le patron va pas que tu l'expliques. Pour l'argent, il va y avoir un petit problème. Vas-y, explique ton cas. Demande-lui d'être gentil avec toi. Tu n'aurais jamais cru, non. Tu reviendrais en parler à quelqu'un comme ça. Mais dis-lui, personne. Dis-lui, personne. Tu ne feras jamais rien pour toi. Non, personne. Je ne jamais rien pour toi. Toi, tu ne voudras plus rien faire d'autre que dormir. Et même dans tes rêves, tu seras tout à fait tranquille. Quand tu voudras redevenir tout petit enfant. Thank you.
Ça va être la fin. Je crois qu'il faut se préparer à l'idée. C'est un peu chagrin. Nous aussi. C'est dur avant, nous. Hein. Pas moi. C'est dur avant, les concerts. Puis bon. Après, c'est sympa. Et puis après, on range le matériel. C'est fini. C'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Mais bon, faut bien que quelqu'un le fasse, quoi. Y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Non? Merci. On va faire la chanson... Comme on est vraiment des contestataires, on va faire la chanson qui conteste la contestation. Il s'appelle « Qu'est-ce que tu veux de plus ?» Et on est vraiment, vraiment anticonformiste, c'est dingue. Hein? Thank you.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ici, hein, tout le monde ne s'amuse pas, donc faudra ranger le matériel, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, tout n'est pas si facile. Hein. S'il y a des gens qui veulent m'aider, sur notre dernier album et il s'appelait Solo Sommel. Le prochain il va sortir en avril 2005, mais 2005 ce sera un double album donc on retrouvera tous les succès que nous avons interprétés ce soir plus quelques autres et pas celle-là puisque c'est déjà sorti dans le commerce. Deux heures dans ma vie. Je t'en...
trop gentil, laisse-moi deviner ce que je suis. Le four serveur italien, tu m'as dit qu'il est pas mal, pas vrai. Il murmurait ma quête, bella, bella, j'ai bien vu que j'avais du mal à te tenir. Tu sais, c'est pour ce genre de truc, je crois que vous resterez toujours un mystère pour moi. Pour ça, et puis pour deux, trois autres petits détails. Je suis sûr que ça me ferait plaisir, mais je crois pas que t'aimerais maintenant trop. J'en parle. À la cafette, elle s'était mise du yaourt sur le sein. Et quand j'ai voulu essuyer, elle m'a demandé si j'essayais de faire de l'humour. Quand son mec est arrivé, je savais pas que cette taille-là existait. Je crois que je m'en étais jamais douté.
qui s'ouvre la main sur la porte de la salle de bain. À côté, le voisin regarde ses gens, son ventre, puis sa femme. Pense au futur à côté dans son jardin, distrait par ce poil. Finalement, il essaie de la prendre un peu. C'est plus si la belle vie est autre chose qu'un dernier coup de cauchemar. S'il y en a encore un autre qui se fait massacrer la gueule à la gare, mais qui voulait plus s'arrêter ni plus, alors que ça peut t'en voudrait aussi. J'ai dit non, 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 merci, mais faut s'arrêter. C'est pas bien, c'est pas gentil. J'ai attendu la cavalerie un peu, mais toute vie faisait mal. Quand ils s'y sont mis à plusieurs, je me suis un peu évanoui. À la bouche, chacun de nous le raconte l'histoire de l'oiseau. Oula, oula, qui est tout petit avec des grosses couilles. Merci beaucoup. À bientôt.